Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, on va dire pour l'instant, plutôt une découverte pour l'instant en tout cas, sur un tout nouveau jeu que j'attendais quand même énormément depuis que je l'ai vu à l'E3. C'est Command & Conquer Rivals. Je vous avoue que je suis un très grand fan de cette licence. J'ai commencé même avec le tout premier sur PlayStation 1 et c'est vraiment un truc de fou. C'est clair que si je peux choisir ma faction, il est clair et net que de toute façon j'irai chez le Node pour choisir Kane, hein, parce que pour moi Kane c'est un de mes méchants préférés dans tous les jeux vidéo. Alors du coup on est parti pour la petite découverte. Donc l'ennemi se dirige vers le missile nucléaire, nous devons l'empêcher de le déclencher. D'accord, pas de soucis. Unité prête. Ok, donc là j'ai des ressources. Comptez sur nous chef, on va s'emparer de cette plateforme de lance-missile. D'accord, pas de soucis. Donc là, hop, on va les envoyer. Ok. Donc là en gros, je suis pour l'instant le node, ça c'est sûr et certain. L'ennemi a pris le contrôle du missile, attaqué les troupes ennemies avec des troupes de choc. Ok, d'accord, pas de soucis. Oui, de toute façon, je suis en train de les attaquer, de toute façon. Donc là, je vois que les unités sont de niveau 3, et la mienne aussi. Ok, voilà. Ensuite, dès que vous prenez le contrôle de la plateforme, la barre de missile se remplit. Une fois que la barre de missile est remplie, vous pouvez faire feu pour éliminer votre ennemi. Ok, ok, pas de soucis. Oula, il y a un petit tank qui arrive. Alors, un char lance-flamme, on a besoin de renforts pour s'en débarrasser. Peut-être que mes unités feront quelque chose. Ah oui, non, il est niveau 5, il est en train de les défoncer. What? Oh là là, j'ai tellement envie de jouer avec le Node que juste Kane. Kane, c'est mon méchant préféré de... Pff, tout simplement, quoi. Ensuite, la barre de missile n'est pas réinitialisée. Ah, d'accord. Quand le contrôle du missile change de camp, vous pouvez reprendre le missile jusqu'à la dernière seconde. Ok. C'est bon, les renforts sont là. Allons reprendre ce missile. Ok, pas de soucis. Je vois que j'ai un... Merde. Lance-missile... là, je crois que ça ressemble à... J'ai l'impression que ça ressemble à un tank de... Comment ça s'appelle? Ah d'accord. Ouh, oui, ça a l'air d'être un tank de... De l'espace. Alors, attendez. Est-ce que je peux attaquer directement son truc? Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir... lance-missile est presque entièrement chargé. Encore quelques secondes et il pourra tirer. D'accord. Alors attendez, je veux juste voir si je peux attaquer ces unités. Moi, ça m'intrigue. Enfin, son truc. Veuillez déposer une unité dans la plateforme. Oui, mais je vais le faire, t'inquiète pas. Je veux juste attaquer son truc, voir si c'est faisable. Ok, j'ai l'impression que c'est faisable. C'est trop cool. Ah oui, donc il est pas forcément obligé de prendre le missile. Ok. Donc c'est très intéressant de savoir ça. Ok. Ah par contre il faut qu'il soit collé, d'accord, il faut qu'il soit collé. Vas-y, file-moi ça. Allez, voilà, merci beaucoup. Moi j'ai dit, je trafique le tuto, ok. Là, je suis tellement un taliban que... Alors, donc on a terminé l'entraînement... Oh, mais non, mais je suis là, moi je suis en train de trafiquer tout simplement le tuto, tu sais. Alors, bien joué, il est temps de maintenant d'assembler votre propre armée, ok. Ok, donc ça marche peut-être... Ah si, ça marche peut-être avec le système de lootbot, c'est ça? Le rhino... Les fusillés... Ok, j'ai un escadron de bazooka... Ok, d'accord. Alors vous avez gagné les crédits, optimisez-les pour vos utilités. Ok, hop. Pour les rendre plus fortes, ok. Ah, puisque là ils sont que niveau 1, d'accord. Donc j'utilise de l'argent pour pouvoir les renforcer. C'est bien, je comprends bien. Ok, donc là, hop. GDI, ok. Donc là je suis encore dans la phase de tuto, on est d'accord. Ah oui, d'accord, donc là j'équipe mes emplacements de slot pour les... Parce qu'après du coup il faudra bien choisir ses unités en fonction de ce qu'ils ont. Ok, mission suivante. Contrôle du champ de bataille, activation. Oh, c'est tellement utile. Oh mais j'adore. J'ai entendu aussi qu'ils allaient faire un Command & Conquer, donc le tout premier, celui que j'avais surkiffé avec les alertes rouges. Nouvelle mission reçue. Et que... alors attendez, finissons pour votre entraînement et vous serez prêt en 10 coups avec d'autres joueurs, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un jeu multijoueur. Hein. Enfin, totalement multijoueur. Nous disposons de notre propre armée cette fois-ci. Nous devrions construire donc un bâtiment pour en construire une unité. Ah d'accord. Bâtiment okay. Activé. Unité prête. Ok, pas de soucis. Trois plateformes de lance-missiles. D'accord, pas de soucis. Hop, hop.
Unité prête. On va faire l'usine d'armement. Bâtiment activé. Ok, donc je pourrais construire. Pour battre mes troupes, vous allez devoir produire des unités efficaces contre le type d'unité. Oui, bah ça... Oui, bah ça, je sais, hein, l'aviation, machin, d'accord, pas de soucis. Unité prête. Hop, on va foutre ça ici. Ah, alors, attends, là, c'est une unité, donc il faut que j'utilise... Oui, mais j'ai compris. Oui, bah ça, ok, d'accord. Hop, hop. Toi... Oui, mais j'ai compris, j'ai... Laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer. Hop, toi, tu viens là, ici. Ok, la barre de missile a été mise en jour. D'accord, parce que là, en fait, il est en train de contrecarrer le truc. Hop là, attaque-moi ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, votre unité sélectionnée efficace contre tout ça. Oui, ben non, mais c'est d'accord. Je suis pas débile. Il est con ce jeu. Vous avez besoin d'une unité pour contrôler. Oui, non, mais d'accord, mais c'est déjà fait ça. Donc, oui, comme je disais. Oh, attendez, on va essayer de passer tout ça. Hop, on va le reculer un tout petit peu. Voilà, merci de te prendre sur le tic. Ok, j'ai déjà envoyé le premier missile. D'accord, donc ça fait à peu près la moitié des dégâts, pas de soucis. Je vois ce que ça veut dire. Elle est bien là, toi. Je suis pas sûr que je vais l'avoir. Ah, quoique. Ah, je suis en train d'anéantir vos troupes, moi. Oh oh, il faut que je fasse des lance-missiles. Unité prête. Merde, il me contrecarre le truc. Ok, c'est bon, j'ai envoyé le deuxième missile. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'avais cru comprendre donc qu'ils avaient fait en fait. Qu'ils étaient en train de travailler plutôt sur le premier Commandant Conquer et le premier Alerte Rouge avec tous les DLC qui étaient sortis. En remasterisé, donc vraiment super magnifique. Et j'ai hâte parce que vraiment, pour moi, j'ai découvert des jeux de stratégie avec celui-ci. Il est clair et net que j'en ferai des vidéos parce que ça, c'est trop cool, quoi, tout simplement. Hein. Ok, donc là, on a le système de cartes pour pouvoir les booster. Ah, j'ai débloqué un Pitbull, ça c'est cool. Et un escadron bazooka au niveau 2. Ok, pas de soucis. Vous avez gagné des cartes additionnelles pour faire passer vos fusillés au niveau supérieur. Ah, d'accord. Alors, attendez, hop. Donc là, on fait ça. Unité entraînée. D'accord, donc ensuite, il me faut plusieurs cartes pour les passer au niveau 2. Ok, je comprends maintenant. Alors, attendez, du coup, vu qu'on doit faire ça, hop. On va juste améliorer. Ah bah, c'est ce que j'allais faire, genre, en plus. C'est ce que j'allais faire. Donc j'ai une unité anti-lance-missile. Alors, il ne vous reste plus qu'une seule mission d'entraînement et effectuer pour obtenir une promotion dans la Ligue de Fer afin d'affronter de vrais joueurs. Ok, d'accord. Et du coup, après, c'est vraiment que du jeu multijoueur et ça, c'est plutôt cool. Dommage qu'ils auraient pu faire aussi un petit truc avec un peu de scénario, ça aurait été aussi très intéressant. Oh, il y a des collecteurs. Produire des bâtiments et des coups de Tiberium pour collecter plus fort en votre armée, d'accord. Oui, mais ça, je sais ce que c'est qu'un collecteur, ma collecteur prêt. Toi, tu te mets ici, tu collectes là. Merde, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Oui, mais oui, non, mais. J'ai fait de la merde, C'est ça que je voulais faire, voilà. Unité prête. Ok, on va essayer de refaire une unité de. De collecte. Unité prête. Voilà, merci. Attends, c'est quoi le pouvoir de commandant. Ah, j'ai des pouvoirs de commandant, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai vu d'ailleurs que Kane, ce serait carrément des tourelles laser, des obélisques laser, comme dans les premiers Command Conquer, et ça c'est trop cool. Ah, je suis obligé de faire ça, d'accord. Missile nucléaire lancé. Ok, défense bon, je suis obligé activé. De faire ça. Bâtiment activé. Unité prête. Ok, donc là je crois que l'unité c'est celle-là hein, que je débloque. Donc vous n'avez besoin que d'une unité pour contrôler. Oui, non, mais ça j'ai compris, ça je sais. Donc là c'est vraiment toute la petite phase du tuto et ensuite on ira affronter les vrais joueurs. Donc ça promet
de belles batailles. Le jeu est pas moche en plus, hein. J'ai vu quand même que le jeu est ultra mal noté, genre il y a plein de joueurs qui s'en plaignent. Tout simplement parce que ils attendaient tellement un jeu de Command & Conquer que bah ils sont déçus qu'il n'y ait que celui-là. Et moi je trouve ça dommage de pénaliser le jeu pour ça, quoi. Bon, du coup la phase de tuto c'est fini. Comme vous voyez d'ailleurs, je joue sur PC, hein. J'ai l'application pour jouer sur PC, c'est encore mieux je pense pour contrôler les unités. Réussite, ok. Ok, j'ai une autre caisse, ça c'est cool. Ok, fusil, ok. Bon, ça c'est que des trucs que j'ai déjà. Alors, tapoter le nom. Bon, ça va pas être très compliqué. Fugitif 91, merci beaucoup. Je veux ce pseudo. Voilà, merci beaucoup. Ça aurait été scandaleux qu'on me vole mon truc. Alors, votre entraînement est terminé, commandant, à votre... à présent, allez sur la Ligue Bronze pour gagner une unité épique. D'accord, ah oui, donc... Ok. On va aller se battre. On va aller se battre. Contrôle du champ de bataille, activation. Donc, je vais m'attaquer à un mec qui s'appelle Gade. 3, 2, 1. One. Nouvelle mission. Hop là, collecteur, usine de collecteur. Bâtiment activé. Unité prête. Voilà, merci beaucoup. Ok, lui il vient directement chez moi, le gars. Unité prête. Rifleman, lead the way. Let's gun him down. Rifle, we've got this. Alors toi t'es très con de te jeter sur moi, hein. On va garder mes sous pour l'instant. On va faire l'usine d'armement. Unité prête. Ok, je vois qu'il est en train de faire des ressources. Si je vois qu'il m'attaque, j'ai de quoi me défendre. Oh, toi t'es très con de te jeter sur moi, toi. Unité prête. On va... Non. Faut pas que je fasse ça. Par contre, je vais faire ça et... ça. Bam! Et ouais, ma gueule! Tu peux pas test, je te défonce, mon gars, je te défonce. Ok, là, il y a le premier missile qui va partir. Et là, je suis en plein multijoueur, hein, là, je vous le dis. Je suis en multijoueur. Je suis en multi. Ok, on va essayer d'envoyer le collecteur ici. Tiens, toi, tu vas là. Pour pouvoir prendre la position. J'ai pas eu le temps de la mettre, c'est pas grave, je la mets là. Ok, parfait. On va le mettre ici. Oh là là, il est en train de se faire anéantir, quoi, je suis en train de le défoncer. Ah ouais, mais mec, tu m'envoies des troupes, t'es un peu con, mais... C'est gentil ce que tu fais, tu vois, mais tu te fais défoncer, quoi. Par contre, là, il va me le défoncer, mon truc. Unité perdue. Hop, déjà, défonce-moi ça, voilà, merci. Là. Et voilà. Alors, c'est vrai que je suis pas obligé, comme vous l'avez vu dans le premier truc du tuto, je suis pas obligé de me limiter au missile nucléaire. Mais c'est vrai que c'est quand même l'avantage, parce que du coup, lui va vouloir faire, justement, participer à une bataille, jouer le GDI 5 fois, les escadrons de... Ah d'accord, c'est pour obtenir des trucs supplémentaires. Il faut que je fasse un peu plus de bazooka et... Détruire le collecteur ennemi. Ah, il faut que je détruise un collecteur. Ah, je savais pas. Il va falloir que je me fasse ça, d'accord. Alors, le carburant que vous avez gagné au combat vous permet de commander des caisses. Ok, je peux commander une caisse ici. Convoi demandé. Oh, d'accord. 6 heures, waouh. Ah oui, attends, je peux réduire de 4 heures. Waouh, le petit coup de turbo qu'il a eu. Hein. Alors, est-ce que je peux jouer le non? Ah, il faut que je sois niveau 9. Non, c'est dégueulasse. Alors, attendez, est-ce que ça vaut la peine que je mette... Alors, pour l'instant, on... Ah, je peux collecter ça, par contre. Prime reçue. On va aller se faire une petite baston. Contrôle du champ de bataille. On va essayer de faire les unités qui me demandent, parce que du coup, ça me permettrait d'avoir un peu de ressources, j'ai vu. 3, 2, 1. Nouvel objectif.
Hop là, le collecteur. Oh merde, j'ai fait l'usine d'armement direct. Oh, quel fou furieux que je suis. Allez, dépêche-toi de récolter des trucs. Allez, dépêche. Unité prête. Oh merde, il est déjà sur moi, sur mon unité de plateforme. Au pire, on va lui voler ça. Ah bah alors, mon petit. Unité prête. Vas-y, viens, mon petit, viens. Caserne, hop. Bâtiment activé. Ah oui, toi, t'es un petit peu bête, toi. Hop, on va utiliser des ressources de... Merde. Des hommes, des soldats. Allez hop, viens là toi. On les prend en tenaille, on les prend en tenaille. Il va falloir que je fasse une unité pour aller défoncer son collecteur. C'est vrai que si je peux lui voler le collecteur, ce serait cool. Défense perdue. Arme nucléaire lancée. Ok, j'ai déjà le premier missile qui est parti. Ok, c'est parti. Il faut que j'essaie de lui défoncer son collecteur. Allez, il faut que j'envoie des renforts. Ah, attends. Merde. Oh, il est en train de lui défoncer son collecteur, ça c'est génial. Alors, il me fallait plus de lance-missiles, donc il va falloir que je fasse des lance-missiles. Au pire, si j'en ai deux, ça va encore. C'est bon, là en plus, je lui ai défoncé son collecteur, c'est génial. Toi, tu vas là. Non, au pire, toi, tu vas là. Ah, viens là. Il refait un collecteur, hein. Il est déter, le gars, il est déter. Hein. Unité prête. Oh là, il a plus aucune chance, hein. Je suis en train de lui rouler dessus, quoi. Et en plus, il est en train de s'attaquer encore à son collecteur. Ah, parce que du coup, je vois que les ressources, elles vont devenir, quand même. Oh là 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 là. J'adore ce jeu, sans déconner. Ça a beau être un petit jeu de téléphone, je sens que je vais bien le geeker. Alors, voyons voir ce que j'ai. Prime complète. Ok, donc le détruire le collecteur, c'est fait. Produire des fusillés, il m'en faut encore deux. Et beaucoup d'escadrons de lance-missiles. Ok, il va falloir que j'en fasse 6. Ah ouais, c'est quand même assez vénère. Il va m'en falloir. Ok, oh, j'ai débloqué un prédateur. C'est bien, ça. Ou les troupes de choc. Ça, ceux-là, c'est ceux qui faisaient super mal tout à l'heure. Parfait, ça. Récompense disponible, on va aller voir ce que j'ai. Collecter. Ah, ça me rajoute ça, ok, c'est ok. 100 de thunes. Ah, de quoi monter mon fusil encore une fois. On va l'upgrade un petit peu le fusil. Unité entraînée. Ok, ils font 30. Unité entraînée. Unité entraînée. Ok, bah voilà, parfait. Unité optimisée. Il passe niveau 3. Allez, c'est parti pour une autre baston. Non, c'était ici. Casse-toi, toi, j'en veux pas de ton truc. Ok, donc là je vois que petit à petit, plus que je gagne des trucs, en fait ça augmente ma possibilité de passer or. Enfin, de passer bronze là, je crois, c'est ça. Quand ils disent. Ah merde, c'est pour équiper mon tank. D'accord, ok. Ok, et. Ici. J'avais pas vu que je pouvais équiper de ça. Alors ça, c'est classe. Franchement, c'est classe. Il va falloir que je fasse pas mal d'unités de renfort d'infanterie. Hop, collecteur, faut pas que je me plante cette fois-ci. Hein. 40, on va essayer d'en attendre un. Allez, dépêche, s'il te plaît, dépêche. Oh, merci beaucoup. Ok, je vois qu'il prend celui-là, donc on va prendre celui-là. On va faire des lance-missiles, comme je disais. Unité prête. Faut que j'en fasse 5, si je dis pas de bêtises, m'en faut 5. C'est assez vénère quand même. Voilà, 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 calme-toi, calme-toi. Défense activée. Ok. Unité prête. Je vais essayer de me refaire des trucs avant de débloquer les tanks. Défense perdue. Oh, bon, on va faire les tanks parce que là, je peux les débloquer. Je vois aussi que lui, il les a.
Pour l'instant, j'ai la supériorité, donc ça va, ça passe. Mais... Unité je suis un peu dans la merde. Unité prête. Missile nucléaire lancé. Ok, c'est mon premier missile de partie. Ouh, oh, il est déter, lui, il a débloqué unité carrément un tank. Perdu. Hop, on va lui faire ça. On va lui mettre ça là. Défense activée. Unité perdue. Hop. Moi aussi prête. Je peux les faire, y'a pas de soucis ma gueule. Unité perdue. Unité prête. Allez, 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 unité, on va en faire un deuxième. Unité perdue. Allez, mets-toi là toi. Unité perdue. Merci beaucoup, on va faire une petite unité de soldats ici. Le missile est sur le point de partir, il faut que je me dépêche. Voilà, le deuxième missile contrôlé, hop là. Ça a été un peu plus serré là déjà. Hein. Après j'ai fait quand même pas mal de trucs par rapport aux missions demandées, hein, forcément. Fusil, il m'en faut encore un je crois. Bah, il m'en faut encore un et deux lance-missiles, ok. On va essayer de faire tous les objectifs avant de finir l'épisode. Au moins ça sera tranquille. On va se lancer direct une bataille. Par contre, j'ai vu qu'il y a pour l'instant, il y a des bonus en fonction de... Quoi, il joue avec Kane? Ah non, c'est son alliance. D'accord, j'ai pas d'alliance. Okay. 2, 1. Nouvel objectif reçu. Bâtiment activé. On va se refaire une unité comme ça. C'était quand même assez vénère. Et ça l'a... Ah, il est niveau 4, lui. Je suis que niveau 3, moi. Unité prête. Shockwave ready to melt them. Alors, il m'en faut encore deux de ça. Oh, il est déter, lui. Hein. Unité prête. Attends, reviens en arrière, reviens en arrière. Ok, il est ultra vénère, lui. Hein. Défense activée. Unité prête. Oh, bâtard. Unité perdue. Il faut d'autres unités de lance-missiles. Unité prête. Ah ouais, il est vénère, il veut feu que du tank, ok. Y a pas de souci. Unité perdue. No pain, no gain. Oh, il est vénère lui avec ses unités de lance. Unité perdue. Lance-missile. Unité prête. Défense hop. Activée. Vas-y, dites-moi ça s'il te plaît. Bâtiment activé. Défense perdue. Hop, il me faut un tank. Unité prête. Il me faut un tank. Attends, défonce-moi les s'il te plaît avec ça, tu t'en fous pour l'instant. Au pire ça montera. Unité perdue. Voilà, merci. Unité prête. Unité perdue. On va le garder pour l'instant. Unité prête. Allez, missile parti s'il te plaît, vas-y. Voilà, le mec il a aucune chance contre deux tanks. Hein. Hop là, je te bloque la route. Ah le pauvre, il est totalement niqué là. Unité perdue. Pour l'instant ça va, on va refaire une unité comme ça. Premier missile. Ah c'est vraiment très stratégique, j'adore. Alors reviens en arrière. Bah, quoi qu'il est mort, donc vas-y, retourne attaquer. Unité prête. Unité perdue. Toi, tu te mets là. Défense on va faire ça là. Ah, il m'a niqué le point. Ah, il est vénère avec les tanks, il faut que je refasse un. Défense perdue. Ok, c'est bon, mets-toi là maintenant. Ça c'est ça qui me plaît dans les jeux, c'est qu'il y a vraiment de quoi se retourner le... Vraiment de quoi retourner l'affrontement, c'est génial quoi. Quoi oh, merde, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Hop là, vas-y, je te bloque avec ça, regarde derrière toi. Il me faut d'autres lance-missiles, je crois, normalement. Et bim. Bon bah voilà!
Ça se passe pas trop mal hein, pour l'instant, je suis en train de... Et en plus, il était niveau 4, hein. Il m'a donné un peu plus de fil, fil à retordre, lui. Hein. Il m'a donné plus de fil à retordre, il m'a donné 2 de ça. Ah, attends, s'il me donne de l'essence, ça veut dire que là, je peux le booster encore, non? Ah non, 6, il m'en faut 6 sur 10. Ok. Predator, donc j'ai de quoi l'améliorer. Oh, un Wolverine! Il est efficace contre l'infanterie et l'aviation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Exosoldat! Ça a l'air assez vénère, on va l'équiper celui-là. Alors attendez, je regarde ce que j'ai fini. Donc là, hop. Prime reçue, ok. D'accord, en fait, quand je serai au niveau max, je pourrais avoir encore un coffre doré. C'est cool, ça. Alors, attendez. Oui, ça, on le fera plus tard, de toute façon. Oui, ça, je m'en fous, par contre. Hop. Alors, sur quoi est-ce que je pourrais remplacer? Je pense que lui, on va le laisser. On va enlever ça, par contre. Et on va se mettre... Alors, attends. Par contre, je... Non, attends. Je vais d'abord voir ce que c'est, ça. Efficace contre les tanks et l'aviation, oh bah c'est parfait, vas-y dégage. Voilà. Du coup, lui c'est contre l'infanterie et l'aviation. C'est 80 que ça coûte. L'infanterie et l'aviation, ça c'est pour les tanks, on est bien d'accord ça. Ça va ? Ouais, les tanks et l'aviation, d'accord. Bah vas-y, c'est parfait, on va prendre ça comme ça. Alors, du coup, on est parti pour une nouvelle bataille, donc on va essayer de passer au niveau grade supérieur. De toute façon, il faut que je fasse une bataille supplémentaire. 2012. J'espère que c'est pas ton année de naissance. 3, 2, 1. Nouvelle Hop là, collecteur, caserne. On va faire juste une petite unité pour l'instant. Oh, il arrive devant. Oui, il arrive promis, il a la... Ah non, par contre, il est niveau 4. Hop là, dégage. Voilà, merci, j'ai réussi à prendre la supériorité. Non, 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 reste ici, toi, qu'est-ce que je suis con. Oh là là, ils sont tellement abusés, ces personnages-là. Hop. Bâtiment activé, unité prête. Ok. Hop, vas-y, recule un tout petit peu. Merci, hop. C'était une technique Zulu Zulu Tango. Défense activée. Ah, il faut 120 cristals de ça. Oh, c'est vénère quand même. C'est assez vénère. Unité prête. Unité perdue. Bâtard, il me l'a niqué. Il me l'a niqué. Non, 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 moi je veux que mon missile y parte. Défense Donc perdue. Il va partir. Unité prête. Est-ce que c'est d'accord? Unité prête. Vas-y, go. Défense activée. Parfait. Oh, le bâtard, il manipule la position. Unité perdue. Parfait, parfait. Vas-y, mets-toi là, au pire, il pourra plus tirer la tourelle. Par contre... Unité prête. Défense perdue. Je vois qu'il fait pas mal de tanks. Ah, il faudrait que je fasse ça aussi. Unité On va faire ça juste après. Allez hop. D'accord, donc là ça me débloque les autres unités maintenant. Ok. Ça c'est cool. Oh non, t'es pas sérieux. Défense activée. Unité prête. Hop là, va là toi maintenant. Attends, attends, non, toi tu vas là et toi tu vas là. Ah, tu sais pas quoi faire là, hein, je te trouble. Parfait, on va faire une de ces grosses unités là. Défense perdue. Oh, il a l'air vénère le gros là. Ok, lui aussi il en a une. Défense activée. Ok, ok, on va en refaire un autre. C'est très disputé là, c'est très très disputé. Toi mon gros, tu te mets là. Et toi t'avances là. Défense perdue. Unité perdue.
Voilà, ça gère la fougère. Ouah, c'est génial, j'adore. C'est vrai qu'il faut des unités assez polyvalentes, parce que sinon, si on commence un truc avec... comment je pourrais dire ça? Avec toutes les unités qu'il ne faut pas, donc là je suis à 8 sur 10. Vous savez quoi, on va refaire une petite bataille. On va se la lancer direct, parce qu'on... Lui, voilà, ok. Enfin, j'aimerais bien pouvoir débloquer l'unité qui était là, la grosse. Daily 1990, d'accord. 3, 2, 1. Nouvel objectif reçu. Bâtiment activé. Allez, dépêche-toi de collecter. Allez, allez. Unité prête. Il y a des chances qu'il vienne jusque là, le mec. Non, c'est bon. Unité prête. You got it. Ah merde, là par contre c'est la mort. Quoique si je fais ça et que je fais ça, ça va le faire. Activée. Non, ça va pas le faire. Unité du tout. Oh, ils sont niveau 4 les siennes. Oula, faut que je fasse attention. Défense perdue. Bâtiment activé. Oh là là, ça va être la mort. Là. Faut que je fasse très attention. Là. Il est en train de me contrôler. Unité prête. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'envoie lui. Aïe aïe aïe. Allez, dépêche-toi. Hop, monte là-dessus, vite. Nique lui le missile, s'il te plaît, nique lui le missile. Et boum! Je viens de te niquer ton missile, ma gueule. Qu'est-ce que tu crois? C'est de la stratégie, ça. C'est de la stratégie. Faut que je refasse des trucs anti-soldats. J'ai pas assez de... Waouh! Ah, il a de l'aviation, l'enfoiré! Il a de l'aviation! Ah, ça va être chaud, là, par contre. Ok, l'enfoiré, il a de l'aviation. Ouh, ça fait mal, ça. Ça fait plutôt très mal. Ça fait super mal, même, en fait. Unité prête. J'ai pas le choix d'utiliser ça. Ah, le gars, mais il est niveau 5 en face. Ah ouais, mais c'est pas équilibré, ça, par contre. Ça, c'est pas normal. Heureusement que mes trucs, ils tirent en hauteur, quand même, hein, la vache. Unité perdue. Unité perdue. Ok, là, il y a des chances qu'il m'envoie un missile. Oh, tiens, c'est bon, j'ai celui-là. Je crois qu'il tire pas en hauteur, non? Unité prête. Il est en train de m'envoyer son missile, là, c'est mort pour moi. Quoique, quoique... L'enfoiré. Merci, merci. Défense activée. Unité prête. Unité perdue. Merde. Ah, il m'envoie le missile. Enfoiré. Dommage structurel majeur. Unité prête. C'est assez violent quand même. Unité perdue. Unité prête. Ok, ok, je vois que lui il est assez vénère quand même. Heureusement que je l'ai capturé, que je l'ai fait celui-là parce que... Ah, lui il peut pas tirer en l'air, attends. Il faut que je conteste quand même. Unité perdue. Unité perdue. Allez, dépêche-toi. Ok, ça c'est... Eh, il est dévastateur, lui, hein. Ouah, par contre, le sien, il est vénère plus amélioré, là, par contre, non? Ah, le bâtard! Première défaite! Oh, je suis tombé sur un mec qui était niveau 5, quand même. Ça, c'est assez vénère, hein, par contre, hein. Contrôlez votre bouton d'unité... Oui, mais c'est d'accord, mais ça, on s'en fout, ça. Bon, voilà, j'ai pu débloquer le truc, donc, pour pouvoir... Ah bah, tiens, j'avais pas vu que je pouvais débloquer aussi le truc au niveau 3. Voilà. Ok, donc là, je peux l'améliorer au niveau... D'accord, je savais pas quel aussi je pouvais l'améliorer. Je crois que c'était là. Donc voilà, bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. On va ouvrir d'abord le coffre. Donc là, j'espère qu'on aura des trucs bien là-dedans. 900 gemmes, c'est...
Ok, le rhino. Le fusillé, 10 sur 10. Ok. Ok, bon, j'ai eu que de la merde. J'ai eu que de la merde. Alors, attendez, je vois que je peux l'améliorer au niveau 4, mais il en faut 10. Oh, c'est assez vénère, ça, quand même. Bon, du coup, moi, ce que je ferais, bien entendu, c'est de pouvoir passer le grade de mes... Celui-là, je ne peux pas l'améliorer, c'est dommage. Et celui-là, est-ce que je peux l'améliorer? C'est celui-là qui contrôle les tanks et l'aviation, d'accord. Ouais, 250. Oh, ah, mais non, mais il est niveau 5 aussi, ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, c'est quand même un jeu de ouf. Là, je suis en train de kiffer de malade. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. On reprendra ça dans un nouvel épisode, certainement avec le node, parce qu'il y a moyen que je fasse plusieurs épisodes. Surtout que, bon, si j'arrive à débloquer le node, il me faut obligatoirement Kane, hein, parce que c'est mon personnage préféré. En tout cas, voilà, donc on va s'arrêter ici sur ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera dans la petite 8. D'ici là, donc, portez-vous bien et à plus tout le monde.